Norman Rockwell. Rafael Barrio. Popart. Pour la liberté d'expression qu'on a. Vous savez, Léonard de Vinci, la main de Dieu, je crois que c'est une peinture de la Mona Lisa. Culture gréco-romaine, en fait. La Tour Eiffel. Le Seigneur des Anneaux. Pour l'histoire, la complexité de l'histoire et l'univers entier qu'a créé Tolkien. C'est pas le titre, mais c'est une reprise de Nirvana sur une chanson de David Bowie. Star Wars. J'ai été bercé par Star Wars, en fait. Première fois en 1977, donc depuis, ça a été le film qui m'a impacté. C'est les photos des Indiens qui étaient mises en scène. Puis ils étaient contre ce fait parce qu'ils avaient l'impression qu'on enlevait leur âme. Louvre. Orange. Ah, parce que c'est une couleur qui est très frappante, en fait. On peut tout faire avec. Elle est très flashy et on peut jouer beaucoup avec elle, en fait. Snoopy. J'aurais bien aimé voir, une chose qu'on verra jamais, c'est Ozukai avec Bansky. Un manga, Dragon Ball. Tintin. On a tous grandi avec, je crois. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une histoire. Ce personnage qui part de découvertes et de mystères à chaque fois avec le capitaine Haddock, Dupont et Dupont, je crois que ça s'appelait, je ne me souviens plus, les deux détectives. Donc voilà. Humble.